Salut, salut, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis Niels et nous allons continuer nos vidéos sur Kubernetes avec K3S et Rancher. Alors, je crois que j'ai laissé une fenêtre ouverte et que ça grince méchamment. On va espérer que les choses ne continuent pas de grincer, sinon je ferai une petite pause. Salut Yoda, j'espère que tu vas bien. Je vais tout de suite refermer la fenêtre, je pense que sinon on va avoir des soucis devant. Hop là. Hop là, c'est la porte-fenêtre qui grince. Et si je l'entends, vous aussi très probablement. Hop là. Donc, nouvel épisode sur Kubernetes avec K3S et Rancher. Alors, je note Niels grince. J'espère que ça va niveau son. J'éloigne légèrement le micro, je l'ai un peu abaissé. Abaissé pas en termes de volume, mais en termes de position. Ça va, bon, bah si le volume va, tout va bien. Hop, bah alors, ouais, le clavier. Le clavier qui avait décidé qu'il n'était pas bien branché. Alors que pourtant, le setup de stream est prêt là depuis bien 20-25 minutes. Mais il faut toujours qu'il y ait un petit truc, vous savez, un truc qui était correctement branché, qui se débranche. Hein, merci, merci USB-C. Non, franchement, à la base, l'USB-C, c'est quand même franchement génial de ne pas avoir à s'embêter avec le sens du port. C'est quand même super. Bref, je partais dans des délires, mais on va peut-être revenir à nos moutons. À l'origine, j'ai commencé cette série de streams avec du conteneur classique sous Podman. Et puis, je me suis dit qu'on allait, j'ai envie de dire, augmenter un peu la difficulté en essayant l'une des implémentations de Kubernetes, qui est donc un système d'orchestration de conteneurs, et de commencer cette découverte de Kubernetes avec K3S, qui en théorie est fait pour être un petit peu plus léger, un petit peu plus facile à appréhender, un petit peu plus simple à installer. Et puis il y a eu pas mal de blagues. Et notamment, quand ensuite j'ai voulu installer Rancher, qui permet d'avoir une interface web pour notre cluster Kubernetes, et ben ça a commencé à devenir vraiment, vraiment, vraiment comique. Salut Azram, j'espère que tu vas bien. Visiblement, tu as très chaud. Je t'invite donc à t'hydrater. Oui, parce que c'est de l'eau là-dedans. Hein. Des fois, c'est de la grenadine, mais là, c'est de l'eau. Bien. Alors, justement, ça fait plaisir que Azram vienne, parce que je vais pouvoir encore le remercier pour son implication sur ses derniers streams et entre les streams. Puisque Yoda qui rajoute que la chaleur n'est qu'une simple information. Oui, oui, oui. Non, rien, rien. Non, rien, sinon je vais être violent, c'est pas le but. Je vais prôner la comment dire, le pacifisme et la non-violence. Toujours est-il que Azram a fait des choses assez fantastiques pour les derniers streams. Salut à toi Mortalius, bienvenue. Puisque il a vu que j'avais un setup entre guillemets particulier à base d'une distribution Linux qui a des briques généralement très à jour. Et il s'est dit, tiens, je vais essayer de faire pareil,
Et finalement, il arrive non seulement à faire ce que je veux faire, à le faire avant moi, et à me fournir la documentation slash procédure pour y arriver. Faut-il encore que je la suive correctement? C'est là où ça devient vraiment très drôle. Puisque dans sa super documentation de procédure, il précise, en début de procédure, hey, au fait, il te faut des machines avec 30 gigas d'espace disque sur le disque système, et il te faut un deuxième disque, on va dire d'une cinquantaine de gigas. Alors bon, ça compte un peu large, mais... N'en jetez plus, en plus ça tourne toujours au drame pendant le stream. Non mais pour le coup c'est ma faute. Pour le coup c'est ma faute, parce qu'il y a bien écrit en début de procédure, genre il faut 30 gigas de disque système et 50 gigas de disque données. Et moi j'ai respecté ni l'un ni l'autre. Donc je ne m'en prends qu'à moi-même si, lors de la création du cluster rancher, eh ben, le truc s'est mis en carafe tout simplement parce qu'il n'avait plus d'espace disque. Voilà. C'est ma faute. J'assume. J'assume. Bien. Nous en sommes donc là. Ce qui s'est passé, si jamais vous n'avez pas vu le stream de la semaine dernière, je me suis retrouvé en rate d'espace disque sur les machines de mon cluster. Donc, on les a dézingués et on a fait en sorte que les disques système soient suffisamment provisionnés. Sauf qu'on arrivait en fin de stream. Et je vous ai proposé, est-ce que vous voulez que je m'occupe de la partie disque de données hors stream ou est-ce que vous voulez la voir ce soir? Et la majorité a répondu, en tout cas la majorité qui a répondu au sondage, je ne sais pas quel est le taux d'abstention, Twitch ne le propose pas, il y a eu une majorité qui a dit on veut bien voir comment tu vas créer les disques. Donc, je crois que c'est le moment. Salut à toi Manon, j'espère que t'as passé un bon week-end. Donc c'est à ce moment-là que je change à nouveau de vue et que on va aller voir du côté de Terraform, puisque je continue de gérer en fait mon cluster Kubernetes avec des machines virtuelles que je déploie via Terraform. Parce que Terraform, c'est un jouet avec lequel je m'amuse beaucoup en ce moment. Je m'amuse non seulement pour créer les VM qui vont me servir pour le sujet de ce soir, mais aussi si vous voulez voir encore plus de Terraform sur les streams du jeudi. Enfin, on a fait pas mal de streams de Terraform les jeudis précédents. Là, je pense que ça va peut-être plus tourner autour d'Ansible. Enfin, je veux pas faire des promesses que je ne vais pas tenir, mais globalement, on a fait. Je pense qu'on est en train de passer justement le cap passage sur Ansible. Alors, donc j'avais une variable. Quelle est la version de Terraform que j'utilise? Bonne question, Azram. Alors, pop, 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 pom. Je suis actuellement en version 1.2.4. Tiens, qui d'ailleurs n'est pas... Voyons voir ça. Est-ce que c'est juste que j'ai pas encore appliqué la mise à jour ou c'est qu'elle est carrément pas dans le repo? Roulement de tambour. Mais oui, pour le coup, j'essaye de suivre un peu les versions de Terraform. Je suis pas sûr que tout ce que je code en termes de fichiers Terraform soit compatible avec les trucs inférieurs à la 1.0. Après, je pense pas que je fasse des trucs très, comment dire, de très haut niveau non plus dans Terraform. Non, mais Azram, j'ai envie de croire que tu n'es pas le seul à avoir une version antédiluvienne sur ta prod, hein. Je pense que ça arrive à tout le monde. C'est vrai que, enfin, en gros, je pense que ce à quoi fait référence Azram, sans vouloir dévoiler quoi que ce soit, hein, c'est que effectivement, chez Terraform, et en tout cas chez HashiCorp, la société qui édite Terraform, ils ont fait une mise à jour
il y a quelques temps de Terraform qui rendait enfin une mise à jour incompatible et en gros les anciens si c'est bon là 1.2.5 qui est dispo dans les repos et en gros ce qui se passait c'est que passé une certaine version de Terraform la syntaxe n'était plus la même, la syntaxe des fichiers Terraform était légèrement différente, assez différente pour donc que ce soit un changement qui casse la compatibilité ascendante et que ça gêne pas mal de monde. Alors je ne sais pas à quel point, quand je dis pas mal de monde, j'ai pas forcément idée de à quel point aujourd'hui toutes les entreprises, toutes les organisations qui utilisent Terraform sont restées sur les anciennes versions et donc sur l'ancienne syntaxe du langage de description Terraform, le langage je crois que ça s'appelle HCL, non ? Et qui a fait l'effort de mettre à jour ces fichiers Terraform pour passer sur les nouvelles versions. Voilà, voilou. Donc, à la base, l'idée, c'était... Salut à toi, The Bidouilleur, bienvenue. L'idée, c'était que, donc, on a pu paramétrer la taille du disque système. Puisque là, je l'avais mise donc à 8 Go à peu près, je crois que ça faisait finalement 7. Merci beaucoup pour le follow, The Bidouilleur. Merci à toi. D'ailleurs, je remarque que j'ai toujours pas le. Pourtant, j'ai bien les alertes. Tiens, c'est bizarre. Pourtant, je refaisais un test. Je refaisais un test, pas plus tard qu'aujourd'hui. Avec Streamlabs et les alertes passaient, donc c'est vraiment bizarre. Akumetsu 666, salut à toi aussi. Qu'est-ce que fait le monsieur à l'écran ? Eh bien, le monsieur à l'écran, il veut mettre en place un cluster Kubernetes en utilisant K3S et Rancher. Et avant de faire ça, il va popper 5 VM. Avec idéalement 30 Go sur le disque système et 50 Go sur un disque de données. Et donc j'étais en train de raconter que normalement les 30 Go de disque système, on les avait eu la semaine dernière et que suite à un sondage, j'allais faire en live le disque de données. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la variable. Hop. Et donc là, du coup, je fais du Terraform. Et là, ce sera pas OS Image Size, ce sera Data. K8, tu connais, K3S, tu connais pas. Bah, en gros, c'est une K3S, c'est un c'est un Kubernetes, mais en théorie un peu plus léger, qui a été fait par les mêmes gens qui ont fait Rancher. C'est-à-dire, je crois que c'est SUSE, les éditeurs de la distrib SUSE Linux. Hop là. Data disk size. Et on va dire, on va laisser en peut-être pas 8 Go. Peut-être pas 8 Go. On va sortir la calculatrice. Hop. Parce qu'on est en octets. Si je fais 8 mégas, tiens. Si je fais 8 fois 1024, ça fait ça en kilos. Et si je refais fois 1024, hop, ça fait ça. Allez, on va faire juste 8 mégas pour le data disk, comme ça, s'il n'y a pas vraiment besoin. Alors, pour le déploiement du K3S, est-ce que je vais utiliser K3S Ansible de Rancher ? A priori, je n'en ai pas la moindre idée. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, je vais pas utiliser de... En tout cas, pas directement. Mais ça pourrait être une idée de regarder ça à l'occasion. Alors, là, pour l'instant, j'ai juste fait ma variable au niveau de Terraform pour avoir une taille par défaut de disque data que je mets à 8 mégas pour l'instant par facilité. Hein. Je vais pouvoir aller maintenant dans mon fichier de stockage. Et du coup, je vais créer une nouvelle ressource. Hop.
Et visiblement, j'ai d'autres variables à modifier. Azram qui précise qu'on va le faire via l'interface. Alors, sauf si c'est ce que Rancher utilise en tâche de fond, il dirait plutôt non. Poum. Alors, var, et ben ça va être data. Data image name. Source, et bah ben source, il n'y en aura pas besoin. Var storage pool, on va être bon. Et on va recréer ici un volume. Remarque, non. Ah, attention, j'allais faire une bêtise. Hop. Non, Rancher, je crois que c'est Suze. Hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Rancher avec A3S, c'est Suze. Merci beaucoup pour le follow, Pleupe Network. Networks. Merci. Hop là. Alors. Poum. Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse déjà. Ah oui, le name. Si le name, en fait, il va déjà être modifié, en fait. On va pas faire un data image name, on va faire un hop. Et on va l'appeler hop, node. Et là, on va mettre underscore data. Et on va mettre la size, bien entendu. Et ça va être var.data image size. Et vu que, hop, je pense pas que ce soit nécessaire de le laisser là, je vais le mettre plutôt ici. L'organisation mère de Rancher est effectivement Suze. Ok. Alors pour être honnête, je le prononce entre guillemets à la française, mais je crois que faudrait prononcer sous ça, je crois. C'est justement la blague, si vous connaissez le YouTuber Network Chuck, qui a du mal à prononcer sous ça, et qui à chaque fois qu'il le dit, en fait, je crois qu'il a mis un petit truc à la place où c'est la voix de quelqu'un d'autre qu'il prononce correctement. Où en étais-je moi? Ouais, j'ai donc créé une ressource qui normalement. Alors j'ai oublié le count. Voilà, j'ai oublié le count. Je savais bien qu'il me manquait un truc. Hop. Et le count var not quantity. Ok, ça c'est bon. Donc normalement, là, au niveau de Terraform, il devrait me dire, je crée un disque qui va s'appeler Data Image, enfin, dont le nom sera réellement node numéro de la machine underscore data.qco2. Il va m'en faire du coup un par VM que je vais instancier. Ça ira dans le pool de stockage libvirt, le storage pool que j'ai paramétré. Et la taille sera celle que j'ai paramétrée et qu'on a vue. Donc a priori j'ai pas de variable à recréer derrière. The Bidouilleur qui rajoute qu'en parlant de Rancher, est-ce que j'ai pu tester leurs produits Longhorn? Non, absolument pas, je ne l'ai pas testé. Toi tu as commencé hier et tu trouves le concept génial, ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée. Pour des prochains streams. Et Akumetsu qui a un souci de réseau. Eh ben écoute, bisous à toi aussi, j'espère que ça se résoudra vite. Hein, que tu nous rejoindras. Alors, j'ai pas besoin de template, non, rien de tout ça. Donc, a priori, on est bon. Hop là. Ça c'est bon. Ça, c'est bon, c'est le réseau. Tac. Ok, donc, ce que je vais pouvoir faire ici aussi. Hop. Je vais juste préparer tout de suite la taille. J'ai encore coupé la calculatrice. Hop, allez, on va aller chercher la calculatrice. Parce que je suis fainéant. Et donc, Azram nous avait dit, il nous faut 50 gigas. Donc, il nous faut 50 fois 1024, ce qui va donner des mégas, fois 1024, ce qui va nous donner des kilos, fois 1024, ce qui va nous donner des octets. Hop. Et on va le mettre ici, comme ça. Hop. Ça, c'est bon. Alors, oui, bonne question. Tiens, sur qu'est-ce que c'est que Longhorn? Alors,
Azram, qui dit qu'ici, il pige bien. Ah, c'est pas Longhorn qu'on va utiliser, mais Rouxef. Longhorn, c'est pour du stockage distribué dans le cluster K-Vitesse. C'est simple et complexe, nous dit Zobidouillard. Ça commence bien. Ça permet d'utiliser les disques des nœuds comme volume. Et oui, effectivement, comme le précise Azram, les disques de 50 gigas que je vais ajouter sur les nœuds, c'est pour faire le cluster Ceph. Parce que c'est ce qu'on va utiliser pour le stockage persistant. L'idée, en fait, pour aller sur le plan fonctionnel, c'est qu'une fois notre cluster K3S et Rancher d'installer, l'idée, c'est de pouvoir déployer des conteneurs pour popper un WordPress. L'idée, c'est d'avoir du coup le conteneur base de données, MariaDB, un conteneur, un ou plusieurs conteneurs PHP et un ou plusieurs conteneurs Apache pour pouvoir montrer un exemple avec un WordPress qui tourne en conteneur. Pourquoi WordPress? J'ai envie de dire pourquoi pas, hein, c'est plus pour le lol, c'est de se dire bon bah la web app la plus populaire de toute façon c'est WordPress. Donc on essaye avec ça. Là pour le moment, en termes de modifications sur Terraform, je pense que je suis bon. Zubidoer, oui, moi aussi, j'ai hâte de voir ça en pratique, ce que ça va donner. J'ai pop 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 pom, je suis. Alors il faut que j'aille dans mon répertoire Git. Hop. Many nodes. Oui d'ailleurs, à ce propos, tiens, puisque je suis en train de me dire mince, il faut que j'aille dans tel répertoire. J'en profite pour vous signaler que tout ou presque tous les codes sources que je produis durant les streams sont ouverts sous licence libre et sont disponibles sur GitHub. Et donc là, le code que je suis en train de modifier, le projet s'appelle ManyNodes. Et alors pourquoi il s'appelle ManyNodes et qu'est-ce qu'il fait exactement ce projet? Eh bien en fait l'idée c'est que je me suis rendu compte que bien souvent lors de mes streams j'avais besoin de déployer assez rapidement un certain nombre de machines virtuelles identiques. Généralement dans un sous-réseau sur un hyperviseur libvirt KVM Linux. Et donc je me suis dit ben, plutôt que de m'embêter la vie genre à créer un template de machine virtuelle et à faire copier, dupliquer, cloner, ce genre de choses-là, eh ben, je me suis dit, tiens, j'ai pas mal fait de Terraform ces derniers temps, ça devrait être relativement rapide pour moi de créer un ensemble de fichiers Terraform qui me permettent, comme ça, que ce soit sur un laptop, sur un PC, sur un serveur, de pouvoir déployer facilement un à n machines virtuelles identiques. Tout en pouvant paramétrer le nombre de CPU, la quantité de RAM, depuis la semaine dernière, donc la taille du disque système. Et là, on rajoute un disque data pour la partie, pour les besoins en tout cas de notre projet actuel. Azram qui commence à menacer de pleurer si jamais ça marche pas ce soir. Azram, pars du principe que ça ne fonctionnera pas, tu seras pas déçu. Et si ça fonctionne, bah ça te fera une bonne raison d'aller, je sais pas moi, déboucher une bouteille de champagne. Ou de cidre, ou de crémant, ou de mince. Ah, flûte. Mince. J'ai mangé le nom. Il y a un autre truc aussi qu'on peut boire, à part le crémant ou le champagne. Oh, la honte. De la clairette, voilà. Une bonne bouteille de clairette de Die. Je me demande s'il faudra pas bipper tout ça lorsque je le mettrai sur YouTube. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Attention. Bref. Ah, il va falloir aussi que je masque le chat alors. bref, en fait, buvez de l'eau. Buvez de l'eau, c'est bien de l'eau. Ouais, voilà, Azra, ouais, de l'eau, de l'eau. Bien, alors. Où en étais-je, moi? Oui, je voulais aller ici, je voulais aller dans mon répertoire Terraform. Alain Delot, oui, pas mal. Bien joué, le Manon. 18h24, premier jeu de mots de Manon.
Et il est plutôt pas mal. J'aime beaucoup Alain Delon. Merci. Merci Manon. Ah, est-ce que ça se transformerait en concours? Est-ce que Azram aurait décidé de surenchérir sur les jeux de mots toujours bien placés de Manon en rajoutant Brigitte Bardot? Pendant ce temps, moi, je vais peut-être te lancer un Terraforminite. Ok, ça a l'air pas mal. Pour le principe, un validate, mais il n'y a pas de raison. Ok, la configuration est valide. Et Manon qui dit défi relevé. Oh là là, oh là là. Vimat314 qui rajoute que le champagne, c'est 90% d'eau aussi. Ah, ça. Les blagues d'Azra, ça vole pas haut. Ok, donc la thématique de ce soir pour les jeux de mots, c'est l'eau. Eh ben. Bon, pendant ce temps, moi, je planifie mes changements dans Terraform. Et a priori, qu'est-ce qu'il me dit? On va regarder un peu. On va regarder un peu. Pour le moment, il ne me propose qu'une machine, parce qu'a priori, je pense que dans mon fichier de configuration, j'ai dû lui dire, voilà, un seul nœud pour démarrer. Donc, il nous dit bien qu'il va créer, bon, le disque Cloud Init, ça jusque-là, ok. Qui crée un domaine virtuel, ok, avec un premier disque block device, ok. Il va créer un. Oh, je pense qu'on a oublié d'attacher le disque en fait. Je pense qu'il va falloir rajouter ça. 4 vCPU, 8 Go de RAM. Il s'appelle Node 0. Ok. La partie console, nanana. Le many nodes net. Jusque-là, tout va bien. Libvirt volume data image. Ok. Et OS image avec la source. Ok. Et le volume 0, libvirt volume, ok, qui va faire une trentaine de gigas. Et lui, là, il fait que 8 mégas normalement. Bon, on va le rajouter. Et je pense que du coup, il créera pas le. Comment dire? Il va créer le deuxième disque, hein, mais il va pas forcément l'associer à la VM. Donc, a priori, il est en train de tout créer. Ça, c'est bien. Ah, je commence à entendre la machine Home Lab, les ventilateurs qui se mettent en route. Alors, vu que j'ai un moniteur de température pas loin. Ouais, ça va, ça va. Ça va aller. Alors, hop, ça revient ici. Voilà. Alors, donc, il m'a créé un nouveau node. Ok, c'est cool. On va aller, on va rouvrir un truc, hop, ici. On va aller se connecter sur la machine Marvin, qui est en fait l'hyperviseur. Sur lequel j'installe mes petites affaires. Et puis si je regarde en ligne de commande avec je fais un sudo vrsh list, on voit que j'ai le node 0, donc qui est le node et que si je fais pop, 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 pom, edit node 0 via in pass what? Alors, on va faire un dump XML node 0, hop, voilà. Donc il me dit bien que j'ai 8 Go de RAM. Voilà, 4 vCPU, comme on l'a dit, et qu'il a créé un premier disque, qui est là, base image, alors, basé sur base image, ok, mais il s'appelle bien node 0.qco2. On a le node 0-cinit, et a priori, on n'a pas le node 0 data, je ne le vois pas. Il n'est pas rattaché, donc il faudra que je rajoute le fait de le rattacher. En parlant d'eau, il y a. Oh là là, Manon des sources. Marcel Pagnol. J'espère que les plus jeunes, j'espère que les plus jeunes d'entre nous ont la ref, effectivement. Bien, alors. Eh ben, je vais rouvrir encore un truc. Voilà. Ça, j'ai oublié de les faire.
Donc là, il me dit, au fait, l'IP de ta machine, c'est ça. Donc on va s'y connecter en SSH. Pas ici. On va se connecter là. Alors pourquoi on va s'y connecter en SSH? Et c'est pour pouvoir déjà d'une valider que la clé est bonne. Et la clé est bonne. Et si je fais un petit df-h, bon ben, a priori, j'ai 29 gigas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et si je fais un sudo fdisk-l, on va voir que j'ai uniquement un VDA. Voilà, juste un VDA. Ce qui veut dire que, globalement, il me manque un VDB. Et si je vais dans Virtual Machine Manager, hop, que je m'y connecte, que je vais chercher une note 0, hop là, voilà, j'y vais en graphique, je l'ouvre, et on va voir ici qu'il n'y a qu'un disque qui fait 30 gigas. Par contre, si je vais, hop, si je reviens là-haut, au niveau de... des détails de mon hyperviseur et que je vais dans l'onglet storage et que je vais dans default et que j'actualise tout ça, il devrait me mettre un node 0. Voilà, j'ai un node 0 CINIT qui est donc le disque de cloud init et j'ai un node 0 data et un node 0. Ok, donc il faut que je retrouve comment attacher, comment relier. D'ailleurs, il fait bien 8 mégas, ça c'est cool, il fait bien 8 mégas. Donc il faut que je retrouve comment attacher mon disque. Alors pour cela, je vais essayer de gagner du temps. Hop, je vais aller ici. Je vais essayer de gagner du temps en allant me baser sur quelque chose que j'ai déjà fait. Un autre projet. Et qui s'appelait Jubilant Octo Tribble. Non, je dis CD. Hop là, pas CDC. Et parce que là-dedans, j'avais fait un petit bout de Terraform. Et normalement, j'avais j'avais un variable, j'avais un main, et j'avais un output. Ah, j'avais pas séparé le stockage. Bon, ben, allons-y, hein, main.tf. Alors. Et là, on peut voir que le provider est Google et pas libvirt. C'était un test que j'avais fait pour me mettre le pied à l'étrier sur Terraform. Et donc j'avais commencé en utilisant le free tier de Google Cloud. Alors, si je descends, Compute Instance, ok, Resource, ok, Data Disk. Ah, le voilà, le Data Disk. Et ensuite, il faut faire un... Ah, il faut que je retrouve comment attacher le disque dans la partie, comment dire, de la même manière que fait Google, puisque les providers, les trucs sont pas toujours les mêmes. Ok, donc je peux pas me baser là-dessus. Donc, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sortir mon petit navigateur, hop, ici. On va aller chercher... On va aller sur c'est Terraform libvirt provider. Je finis par le mettre en bookmark tellement je... La connexion a été refusée. Ah oui, là. Si vous voulez voir la raison pour laquelle j'ai un proxy d'activer là-dessus, faudra venir jeudi à 20h. Hop. Voilà, il faudra venir jeudi à 20h et vous comprendrez mieux pourquoi. The Bidouilleur, si un jour tu es motivé, tu peux t'inscrire sur Infomaniac qui propose une offre gratuite pendant 3 mois à un OpenStack. Oula, très agréable à te terraformer. Pourquoi pas. Ce qui m'avait intéressé avec le tiers gratuit de Google, c'est que normalement il n'est pas limité dans le temps. Mais je t'avoue que depuis que j'ai perdu les crédits qui sont offerts à l'ouverture, j'ai pas eu le temps de me remettre sur Google sur GCP. Google Compute Platform. Mais je note bien Infomaniac, ça pourrait servir à l'occasion. Donc hop, sur GitHub. Terraform Provider Libvirt. Alors, ce que je veux, c'est aller dans les exemples pour voir si dans les exemples, il n'y aurait pas...
Il n'y aurait pas des trucs avec des stockages supplémentaires. Alors là, il y aurait CD-ROM. Boot. Alors là, il dit quoi? Il dit qu'il crée un volume. Ok. 7 boot order. Ah, ça, c'est juste pour le boot order. Ok. Donc, c'est pas ça qui nous intéresse. CD-ROM. Oui, tant qu'à faire, je vais peut-être vous mettre le lien d'ailleurs vers le provider Terraform si ça vous intéresse. Et je vais en profiter pour le mettre aussi d'ailleurs dans les liens du live sur le serveur Discord. Donc vous pouvez trouver l'adresse ici, là, à côté. Et puis normalement, ça doit être cliquable quelque part en dessous. Et si jamais vous voulez, vous n'avez pas envie de vous embêter pour rechercher le lien à cliquer, vous faites point d'exclamation socials et normalement vous aurez tous les réseaux sociaux sur lesquels me retrouver entre les streams. Alors. Là, il a créé une ressource, libvirdomite example, avec. Ah d'accord, donc faut que je rajoute dans... pop, 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 pom. Ah, je pense que c'est ça que j'ai oublié, effectivement. Alors, si je vais dans Compute, hop, si je remonte, là j'ai un disque. Et donc a priori, je peux faire plusieurs disques. Ok, donc a priori, ici, je peux faire... Je peux faire ça, voilà. Sauf qu'ensuite, ici, libvird volume.volume.étoile. Alors... Je pense que j'avais dû partir du principe que j'avais un seul volume. Il va falloir que j'aille regarder ce qui se passe dans le storage. Parce que là, il faut que je le nomme autrement. Ah oui, d'accord. Là, il s'appelait volume. Et donc, au lieu de l'appeler volume, j'aurais peut-être dû l'appeler autrement. Genre système, par exemple. Est-ce que je pourrais pas faire ça, tiens, d'ailleurs. Alors, à la limite, avant de le renommer... Je vais juste dire, là, ça doit être data image. Alors, ici, c'est data image. Image. Hop. Salut à toi, Mafilus. Bienvenue. Hop. Donc là, a priori, si je relance... Merci beaucoup pour le follow All You Need Is GNU. Je serais bien tenté de chanter, mais j'ai peur de me faire strike. Alors, si je fais un plan, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit quoi? Qu'est-ce qu'il modifie? Il a un à ajouter, un à détruire. Ah, il va détruire carrément le... Ah d'accord. Bon, alors dans ce cas-là, je vais pas me casser la tête. Hein. Terraform destroy. Voilà. Et pendant qu'il destroy, moi ce que je vais faire, c'est que bah, je vais carrément changer ici. Et donc au lieu de data image, hein, je vais mettre system image. System image. Et là, c'est pas ici. Ce sera là. Et on va l'appeler system image. Mafilus qui a un port du routeur qui ne fonctionne plus. Le one. Ah, bah mince alors. C'est ennuyeux, ça. Où est-ce que j'en étais? Donc, a priori, ça, c'est bon. Je vais quand même revérifier. Ouais. Ok. On va aller regarder à nouveau à ce niveau-là. On va faire un terraform plan. Ah, bah non. Si je refais un init, il dit qu'il a initialisé. Si je fais un validate... Ok, donc il y a bien une erreur. Et il me dit référence vers une ressource non déclarée. Ah, ou je me suis trompé. Compute.tf ligne 28. Ligne 28. C'est ici libvirt underscore volume system image. Ah. Ah non, volume has not been declared root module. Ah, aurais-je. Aurais-je oublié de. Ok, la conf est valide. J'avais dû oublier de sauvegarder un des fichiers.
Donc maintenant, je plane. A priori, ça plane pour moi. Donc, il dit qu'il crée le disque Cloud Init. Jusque-là, tout va bien. Qu'il crée un domaine avec un premier disque, un deuxième disque. Ok. Il est bien dans le domaine. Hop. Many nodes. Ok. Et donc, OS image, System image. Et il est où le data image? Il est là, le data image. Ok. Eh ben, allons-y. C'est parti. Terraform Apply. Mais Mafilus, c'est ton routeur chez toi? Le genre ta box internet? Enfin, moi, c'était beaucoup d'eau, j'ai l'impression, pour la deuxième partie du stream. Alors, hop, c'est reparti, une nouvelle IP. On va s'y connecter ici. Alors, Mafilus, c'est mon deuxième routeur qui fait office de firewall. Ok. Et du coup, t'as remis sur une autre. Sur une autre interface. Bien! Bien, bien, bien. La bonne nouvelle. C'est qu'on a un deuxième disque qui se nomme VDB et qui fait 8 mégas. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir refaire un petit destroy. Et on va pouvoir mettre les tailles complètes. Hop, revenons ici. Donc 50 gigas, on va mettre 5 nodes. Donc 5 nodes, 4 vCPU, 5 x 4, 20, c'est bon. Mémoire 8 gigas, 8 x 5, 40, je vais être bon sur la machine. La machine, en tout cas, la machine de Home Lab. Mafilus qui dit la flemme, c'est un OpenWRT avec des commandes assez chiantes. Je me suis branché en direct. Ok. D'ailleurs, à propos d'OpenWRT, vous savez que OpenWRT est dispo pour x86 et x86-64, hein, et qu'on peut se faire des petits routeurs virtuels en OpenWRT qui tournent dans KVM notamment, hein, KVM libvirt. C'est assez amusant. Bon, bah là, c'est parti, hein. J'ai fait mes modifs. On va replanifier. Hop, voilà. Et on applique. Et là, cette fois-ci, ça va durer un petit peu plus longtemps. Ça va, j'aurais mis 45 minutes pour rajouter des disques. The Bidouilleur qui est Team PFSense. Tu as beaucoup de mal avec l'interface OpenWRT. Pour être honnête, The Bidouilleur, moi, c'est plutôt Team OpenSense. Lors de la première itération de mon Home Lab, dont on voit la deuxième itération les jeudis soirs, j'avais utilisé de l'OpenSense, principalement. Mafilus qui est donc, oui, sur le flash d'un routeur commercial, ce qui est généralement comment dire, le cas d'usage le plus souvent pour, comment dire, pour OpenWRT, hein. J'ai encore comment dire, dans une boîte en plastique quelque part, deux Phonera de toute première génération qui sont reflashés en OpenWRT. Vimat qui nous précise qu'il faudrait considérer utiliser des clés SSH, ouais, les ED25519, pour des questions de sécu. Alors, ici, étant donné qu'on est sur un lab interne, et que de toute façon, je sais pas si tu as remarqué, mais voilà, le mot de passe, voilà, hein.
Je pense que la clé SSH, enfin le fait que la clé SSH soit en RSA, c'est pas ça le plus gros problème. Mais sur le fond, tu as complètement raison. En plus, ça prend moins de place d'écrire les clés ED25519. donc j'ai maintenant mes 5 nodes. Ce qu'on peut faire éventuellement. C'est. Si je rajoute ici, que je fais comme ça, et que là, je fais encore deux comme ça, que je les mets un petit peu plus comme ça, et que je fais un petit SSH node 0. Alors, du coup, il va falloir que je le fasse en. Alors. 42, 72. Est-ce qu'on va y voir quelque chose aussi? Yes. Ah, tiens, le. Pourquoi il a fail? Hop là. Il a fail parce que. Package update upgrade install. What? Alors là, vous voyez pas, mais ouais, il a installé les petits programmes que je lui demande d'installer dans le Cloud Init, mais il balance à la fin une erreur. Ah, il y a eu une erreur lors du téléchargement d'un repo. Package update failed. Ok. Oui, oh, c'est pas dramatique. Allez, hop. Alors le truc c'est que par contre, ouais, ça va être un petit peu léger. Je pense que je vais ouvrir plus un onglet principal par machine, plutôt que d'essayer de vous montrer les cinq machines en même temps sur le. Hop. Allez, on va rester comme ça. Alors du coup, il va falloir que j'ouvre encore plein de sessions. Oups là. Voilà. Donc, node 1. Node 2. Hop, node 3. Et node 4. Ah zut, ça c'est le 0. Ok. Non, c'est le node 10. Ouais, ok. Hop. Enfin, c'est le l'onglet 10. Hop là. Voilà. Donc ensuite, mon node 0, il est là. Donc maintenant, ça va être l'heure d'installer. Alors, peut-être qu'avant d'installer. J'ai à chaque fois un dev SDB à 50 gigas. Je vais peut-être le monter tout de suite, non? Qu'est-ce qu'il dit le petit document fourni avec 100 parties par ASRAM? A priori, il n'a rien concernant le. Il a rien concernant le disque. Alors, je sais pas si Azram t'es encore dans le coin. Je suspecte qu'il faut que je monte au moins un file system sur les disques. Oui, il faut monter le. Ok. Le VDB. Bon, bah alors dans ce cas-là. Sudo mkfs. Non. Il va falloir que je fasse les sudo. Oula. Pourquoi il se traîne là?
fdisk-v/dev/vdb. Hop. Ok, et ben new primary partition gnagnagna 1 last sector. Ok, et ben on écrit et c'est fini. Et ensuite sudo mkfs. Ah, tu penses pas qu'il faille monter le sdb? Ok. Adienne que pourra. Oh bah écoute, on va à la limite. Hop. Je sais plus, je crois que c'est D pour delete, hein, de mémoire. D pour delete. Allez hop. Partition 1. Allez, on écrit. Hop, c'est bon. Et ben c'est parti, on va commencer avec les prérequis qui consistent à aller d'abord modifier le chargeur de démarrage. Ok, petite habitude de Vim. Hop. Voilà, une fois, pas deux. Dans ton test, lorsque Rook est mis en place, il se débrouille. Ok, et eh ben on va essayer comme ça. Hein. Hop. À la limite même, ce que je vais peut-être faire. Copier hop, à ce niveau-là 6, 7. Ça a l'air de se traîner. Pourquoi qu'est-ce qu'il fait lui-là? Il en peut plus? Il en peut plus le Home Lab? Normalement, non. Il faut... Ah ouais. Hop. Le 8. Et le note 4. Et non, pas moins haut, moins i. Ah oh là là. Voilà. Donc déjà, ça c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer. On va installer Docker. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer. Mince, j'ai oublié de lancer. J'ai oublié de lancer le grub 2 MK config. Voilà, hop. Je lance tout d'un coup. Alors. J'y vais en mode gros gros goret, hein. C'est-à-dire que je fais ça. Enfin, il m'a dit oh, c'est mal. Hop. Voilà. Donc lui de toute façon, sudo, il va s'en moquer. Il a les droits. Voilà. Et donc, il n'y a plus à attendre que ça reboot. Il n'y a plus qu'à attendre que ça reboot. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? En balançant là, comme ça, en mode copier-coller à l'arrache. On va revenir un petit peu pendant que ça redémarre. D'abord, j'ai modifié la configuration du chargeur de démarrage Grub.
Je sais pas si certains ont remarqué un peu plus tôt dans le live quand j'ai dit ouais j'utilise une distribution qui a des bibliothèques assez récentes. Et ben justement la gestion de ces groupes fait que K3S avec le, je crois que c'est la version V2 de ces groupes, il a pas l'air d'être super ou en tout cas certaines options de ces groupes, il a pas l'air d'être content avec. Et donc en fait la modification que j'ai faite dans Grub, ça a été justement de dire et au fait il faudrait éviter les soucis, enfin ça permettrait d'éviter les soucis. Parce que sinon en fait K3S n'arrive pas à communiquer. Donc ça d'une part. D'autre part, l'autre ensemble de commandes, l'idée c'était donc du coup de régénérer la config de Grub, après donc l'avoir modifiée. Et ensuite d'installer Docker sur les Fedora. Donc d'abord en configurant le repo officiel de chez Docker, et ensuite en installant quelques petits packages qui permettent donc de gérer Docker et de l'activer par défaut. Donc a priori de ce côté-là, est-ce que ouais, ça a l'air d'être. Hop, allons-y. Systemd OMD, bon, ça on s'en fiche. Hop. 8, 7, hop. Là, on est bon aussi. Et là, on est bon aussi. Très bien. Donc maintenant que nos machines ont les prérequis corrects, on va aller s'occuper de l'installation de Rancher. Oui, Vimat, je suis en SE Linux and Forcing. C'est le paramètre par défaut sous Fedora. Hop, on va arriver ici et on va aller regarder la doc de Rancher sur comment. Alors, provisionner un Linux host. Alors, on veut du self-signed. Voilà. Et donc, a priori, il y a juste à lancer un petit Docker qui dit, au fait, lance-moi ça en mode privilégié, blablabla. Voilà. Allez, c'est parti. Oula, une fois. Donc a priori, il est en train d'aller installer le Rancher sur le node 0. Ce qui est en fait une mauvaise idée, je crois que j'avais voulu le faire sur le node 4. Tant pis. Tant pis, on fera node 0 et node 1 les machines qui gèrent le cluster. Et on fera node 2, 3, 4 pour les workers. C'est pas dramatique. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? En fait, il est en train de récupérer des conteneurs. Puisqu'en gros, Rancher, c'est des conteneurs. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi je me suis retrouvé en rate d'espace disque avec seulement 4 Go sur mon système. Donc normalement, si je fais un petit sudo Docker PS, j'ai donc un conteneur Rancher qui tourne. Et donc l'accès à l'interface de Rancher se fait en HTTPS sur l'adresse IP du serveur sur laquelle on l'a installé. Donc, mon Rancher, il doit être en 10, 42, 42, 72. Ok. Alors, la petite blague, c'est que comme je suis sur une machine distante, il va falloir que je gère comment je vais y accéder à ça. Et en fait. Et en fait,
Ce que je vais faire, je pense, c'est m'y connecter. Alors, avec un tunnel. Voilà. Donc normalement, si je reviens ici, non, si je reviens là, et que je nous fais un HTTPS 127.0.0.1.2.8443. Voilà. Mafilus, dans l'immédiat, je crois pas qu'on va utiliser Helm. Mais on pourra toujours voir ça à l'occasion. Et Azram qui, bien entendu, précise le site de Rancher. Mafilus, Rancher, c'est un dépositori de containers pour Kavitas. Et qui dit, bah, via Rancher, tu vas pop un cluster Kavitas. Ensuite, tu peux jouer avec Helm. Ok. Bon à savoir. Donc, on va accepter le risque. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, c'est la première fois qu'on vient sur Rancher. If you preset your own bootstrap password, enter it here. Ce qu'on n'a pas fait. Sinon, un mot de passe aléatoire a été généré. Donc, je fais un petit Docker logs. Hop, à mon avis, il y a un petit sudo avant. Ah non, c'est pas ça que je veux. Voilà. Et là, j'ai rien du tout. Comment ça, j'ai rien du tout? Ah oui, l'ID. Ah! Voilà. Voilà. Alors, le bootstrap password, il est... Il est costaud, hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser un nouveau mot de passe. Hein. Hop. Je le montre, hein, c'est password. Je me casse pas la tête. Hop. Et lui, non, on va enlever ça. Parce que tous les nœuds doivent pouvoir le. Hop là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette IP là. Voilà. Et on va décocher les stats anonymes. Et bien entendu, on n'a pas le choix. Faut autoriser les terms and conditions. Password must be at least. Oh, t'abuses. T'abuses, password 1, 2, 3, 4, allez. Hop, avancer. Accepter le risque. Voilà. Donc maintenant qu'on est là, on va pouvoir déployer notre cluster. Donc, explore cluster et on va aller dans cluster management. Une fois que ça c'est fait, on va cliquer sur le bouton create qui est ici. Et je vais me mettre un petit peu comme ça. Je vais peut-être vérifier si jamais. Hop. On va descendre comme ça un petit peu et je vais vous descendre. Voilà, comme ça, tout le monde voit correctement le navigateur web. Alors, Azram qui dit au lieu de passer par Rancher, on pourrait faire du kubeadm ou équivalent pour lancer un cluster Kavitas. Mais là, ça permet d'avoir une jolie interface. Tout à fait. C'est l'idée, hein, c'est l'idée. Et comme tu le disais le week-end dernier, c'est pas vraiment un K3S qu'on va déployer, c'est RKE qui est Rancher Kubernetes Engine. Mais ça fonctionne pareil. Bon. Ok, et bah écoute, merci pour ces précisions, Azram. Donc maintenant qu'on veut le créer, eh bien on va le créer hop, en utilisant ici RKE2 K3S,
Et on va faire, hop, en dessous, custom. Ensuite, dans l'écran suivant, il faut indiquer le nom du cluster Kubernetes, la version à utiliser, le driver, nanana, nanana. Alors, on va laisser les variables par défaut. En revanche, je voudrais juste renommer, au moins renommer le nom du, bah, renommer le nom du cluster. Allez, et on va l'appeler another home page. Tiens, cluster description. Just a test. Boop, 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 boom. Et donc, core DNS, Nginx, Linux, Matrix Server, Calico, Cloud Provider, none, Security Archive de Default Worker, c'est non. Ok, c'est bon, allez hop, créer. Alors, est-ce que je pourrais te demander de copy-paste la commande de Bootstrap de Rancher? Elle ne fonctionne pas chez moi, celle de la doc. Ah! Eh bien, moi, c'était celle-là. Hop, je te la copie-colle dans le chat. Hop là. Voilà. Donc, ensuite, une fois que le cluster est créé dans Rancher, il va falloir configurer un des serveurs comme pilote du cluster et les trois derniers serveurs comme nœuds. Ouais, donc du coup, le pilote va être le 1 et 2, 3, 4 vont être les nœuds. Donc, pour le pilote, il faut donc décocher la case worker. Voilà. On va cocher la case insecure parce qu'effectivement, on est tout en auto-signé. Et ensuite, il n'y a plus qu'à copier-coller en fait. Donc, je clique, hop, je viens ici. Je vais aller sur le node 1 et je colle. Et normalement, on devrait avoir un truc qui va arriver. Donc pour le moment, qu'est-ce que j'ai qui tourne là? Ah, ça y est, j'ai des trucs qui tournent là. On voit des trucs Rancher, Coworker. On est bien sur le node 1. Oui, on est bien sur le node 1. Et on va revenir dans notre interface web. Hop. Pourquoi il dit condition? Il y a un truc false. Cluster agent, ils ont de côté. Oui, bon. Hop, machine. Donc là, on a un truc qui est en cours de réconciliation. A priori, c'est plutôt bon signe. Et il attend des choses. Et ça fait 38 secondes. Donc déjà, il a vu le... comment dire, il y a du travail, il y a une communication qui est en cours entre Rancher d'un côté et mon node, le node 1, sur lequel je vais dire tu vas être un peu le patron du cluster Kubernetes. Hop. Et VLMAT, ça ne marche pas. Ok, dommage. C'est un peu ennuyeux ça. Je sais pas trop sur quelle machine tu fais ça, dans quelles conditions. J'ai envie de dire chaque setup est toujours différent. Pendant ce temps, moi, je vais aller dans registration et puis je vais aller m'occuper de rajouter les nodes worker. Est-ce que je peux check le message d'ailleurs que tu m'as mis pour voir si c'est la même que... c'est une bonne... Ah, pour l'histoire du grub. Ah oui, on peut aller jeter un œil. On peut aller jeter un œil dans les logs. Alors. Hop là. Alors, il est où le... Hey, merci beaucoup pour le follow, Nico Leblon. Merci à toi, c'est très gentil. Ok.
Tu te rappelles le Azram dans quel. Je me demande si t'es pas dans genre système CTL status. Il n'y avait pas un truc genre ranchardé. Non, c'est pas sur le note de. Tu es sysadmin aussi, par contre, jamais fait de Kubernetes. Bah, moi aussi, je découvre Nico. Donc, c'est un peu l'objectif, hein, c'est de découvrir. Azram qui disait. Ah oui, qui montrait l'issue. Hop, sur GitHub. Et dans quel fichier on le trouve? Ah tiens, sur les Ubuntu aussi, faut toucher au cgroup. Et dans quel log on va trouver ça? Alors il en est où moi pendant ce temps, tiens Waiting for cluster agent to connect. Je voulais avancer, moi je crois, sur le node 2, hein, si je me rappelle bien. J'étais où? Ça c'est le node 0, ça c'est le node 1 normalement. Oui, c'est pas Rancher. Docker. Docker, ça c'est bon. Calico. En faisant un Docker logs sur le conteneur Rancher. Mais moi, c'est bon, je ne l'aurai pas. Je vais quand même vérifier un truc. Je sais plus où j'en suis, ici. Ouais, normalement, je l'aurai pas. J'ai bien laissé groupe comme il faut. Ok. Donc ça, c'est le node 1, le node 2. Le node 2, ça va être un worker. Donc, si je reviens ici et que je vais dans registration. Je décoche tout ça, je mets worker ici, je copie, et ensuite je colle. Et je vais pouvoir faire 9, node 3, node 3, hop, je colle, ça m'en fait 2, et ici je colle aussi. Voilà. Donc, on va revenir là, et en toute logique. Ouais, toi aussi, tu trouves qu'il met beaucoup de temps à enregistrer le node master? Pop, 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 updating, oui. Oui, ça fait 5 minutes là qu'il est en train de taffer le master. Et il dit quoi, waiting for? Qu'est-ce qu'il attend? Ok. Alors après Azram, je sais que la démo que tu m'avais fait en privé avait été relativement rapide, sans doute parce que les machines auxquelles tu accédais étaient rapides. Pour rappel, ici, on est sur une machine assez ancienne. On a un Xeon qui a plus de 10 ans d'âge, hein. Azram qui admet qu'il a tapé lourd chez AWS pour ses tests. On va espérer que ça dure pas trop longtemps, ou alors qu'au moins on ait un message d'erreur qui nous dit au fait il y a un souci. Mince, je sais même plus où je suis. Alors non, je vais pas recréer un cluster. Hop, updating another home page. Oui, parce qu'en fait, il y a deux clusters. Il y a un cluster local et il y a le cluster distant.
Reedy Falls. Oui, bah oui, je vois bien qu'il n'est pas prêt. Tu n'es pas prêt! Pardon. C'est des souvenirs de quelques vieux jeux. Voilà, on peut dire que c'est vieux, hein, maintenant. World of Warcraft Burning Crusade. Ça date de quoi? 2007, non? Et en fait, les workers, ils attendent gentiment que le control plane soit... alors, si je vais sur le node 1... Et Nico Leblanc qui dit « Oh non, ça va, c'est récent. » Question de perspective. Oui, c'est sûr que... Je crois que c'est Obi-Wan Kenobi qui disait que la vérité dépend avant tout de son propre point de vue. Alors. Ça, c'est juste le DMESG. Ah, il a les trucs. Ah, alors. Permission denied. Non. Non. Alors là, je suis en train de me dire, on va aller jeter un œil dans Varlog Audit. Un audit.grep-i denied dans audit.log. A priori, il n'y a pas de souci de SE Linux qui casse les pieds. De ce côté-là, tout va bien. J'ai mis 2D. Ah bah oui, j'ai mis 2D à denied. Ah oui, effectivement. Ah bah si, voilà, là j'ai des... Ouais, mais a priori, est-ce que c'est... SSS cache. Ah, éventuellement, je peux le passer en permissif, hein, mais... Je suis pas sûr que ça change énormément de choses. Mais ça se teste. J'ai un SSSD sur mes nodes. Ben... Alors, le package, j'ai pas installé. Remarque. Client common KSM. Non, mais si, Azram, il a trouvé denied, mais c'est sur du SSSD, alors bon. Le, oui, SSSD est installé, mais c'est qu'en fait, j'utilise l'image cloud de Fedora. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ait une autante centralisée en place. Pourquoi il me dit ici ready false disconnected cluster agent is not connected? Qu'est-ce qu'on peut aller voir dans les logs? Bon, ça, c'est le truc du... Eh, au fait, maintenant, c'est du journal CTL.
Je dois avouer que bon. Zobidouilleur qui dit RKE, c'est basé sur K3S ou K8S? Vu que c'est Rancher, tu t'attendais à du K3S, mais tu commences à douter. Bonne question. Bonne question, Zobidouilleur. Je n'en ai pas la moindre idée. Je t'avoue que je me sens un peu comme le chien qui tape sur un clavier et qui fait « I have no idea of what I am doing ». Je suis à la recherche d'un message d'erreur pourrait m'aider et me dire qu'est-ce qui ne va pas, à moins que la machine soit vraiment lente. Rancher installe de base RKE mais propose en preview K3S. Ah. Non, et puis honnêtement, le Home Lab, il est pas en mode j'en peux plus de mes machines. Hein, il est pas. En termes de load average, j'ai même pas un sur le. Enfin, j'ai à peine un sur la machine physique. Et là, ici, si je fais un petit top. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, bon. Ça valait le coup d'essayer quand même. Ouais, donc en fait, j'ai mes trois nodes qui attendent gentiment que le master soit là. Et le master, pour le moment, il est un peu aux abonnés absents là. Hein. De 15 minutes, même si j'ai un vieux Xeon X5670 sous le capot. Azram qui du coup n'a pas la moindre idée de où commencer les recherches. Donc déjà ça, a priori, on l'a mis en place. Par acquis de conscience, je l'ai mis en permissif, mais bon. Je dois avouer que effectivement, c'est un peu ennuyeux.
Alors. A priori, il y a des histoires de certificats. Est-ce que je me serais trompé dans les... Parce que quand je fais registration... Insécure. Alors, je vais regarder ce que j'avais tapé sur un... Non. Ah, remarque, je l'ai tapé. Ah non, pipe sudo sh. Donc si je viens ici et que je fais ça. Bon, le token, c'est peut-être pas le même. Si, si, c'est le même token. Dix, 42, 42, 72. 10, 42, 42, 72. Donc jusque-là, on est bon. Et est-ce que mon rancher, il écoute sur le 443? HTTPS, il a un Docker quelque chose qui tourne. A priori, il tourne sur le 443, ça c'est bon. Alors, voyons voir les logs. Alors, une erreur. While appending CSR to pool for pro. Oula. Varly Branchar RKE2 No such file or directory Varly Branchar Server TLS TLS, cube scheduler. Cube scheduler, il y est. J'ai un cube scheduler.crt qui est en 644 et un cube scheduler.key qui est en 600. Alors, Azram, qui dit l'IP que tu utilises pour accéder à Rancher, c'est la même que le nœud 1 Master Cavitas utilise pour communiquer avec le nœud 0. A priori, oui, parce que si je reviens ici, donc il dit bien 10.42.42.72. Et si je vais sur le nœud 0, que je fais un IP moins 4 moins OETH0. Ah non, j'ai pas OETH0. Hop. Si, UTH0, 10, 42, 42, 72. Effectivement, peut-être qu'il y a un souci quand il génère le certificat autosigné. Ça voudrait dire qu'il faut que je redétruise tout là, hein, Azram, et que je recommence. À moins que je me contente de détruire uniquement les nœuds.
Les nœuds 2, 3, 4, mais... Bah oui, c'est ça, je lance la commande avec le insecure. Hein. Je te confirme que je l'ai fait avec le insecure, il est... Il est là. Hein. Moins etcd, moins control plane, ouais, c'est ça. Mais en gros, c'est. Ouais, il a l'air de dire au fait, j'ai pas les droits donc. Pourtant. Permission denied. Ah non, il dit même pas. Moi, il me dit pas permission denied. Il dit no such file or directory, je crois. Ce fichier-là, il n'arrive pas à l'ouvrir, qui dit no such file or directory. Ah, ah oui, bah oui, avec deux points, ça le fait pas. Mais si, il existe. C'est légèrement frustrant. Ouais, il a pas pu échanger avec le rancher, peut-être. Il y a quoi dans ce fichier? J'ose espérer que... Ouais, non, j'ai ce qu'il faut. Oui, je peux redémarrer le service, effectivement. Toujours reconciling. Ouais. Ah, il s'est fini. Nil, un exit code 0. Après, exit code, c'est bon, ça, exit code 0. Alors, par contre, il y a peut-être un autre... un autre truc que j'avais vu dans les services. Il y a RKE2 serveur peut-être. Ouais, il a pas l'air de dire grand-chose. Quoi? To join node to cluster. Alors, fail to test data store connection, context the line exceeded. Donc ça déjà, peut-être qu'on peut se poser des questions sur ce que c'est. Mais non. Ah, oups. Alors. Qu'est-ce que c'est que ce truc, NSXCLI?
Alors là, il parle d'une erreur Kubernetes. Et il a un monit. Ouais, ok, soit. Il n'y a pas des logs d'erreur côté note 0. Bonne question, on va aller voir. Hein. Ouais, bon. Je vois pas de. Zut, c'est quoi déjà la commande avec le Docker pour aller dans les logs? Je crois que tu l'avais paste un peu plus tard. Ouais, Docker logs, ok. Alors. Pauvre Azram qui essaye comme il peut de faire des clusters Kubernetes à des gens. Et malheureusement ça marche. Enfin, heureusement ça marche chez lui, mais malheureusement ça marche pas de mon côté. Alors, fail to start user controllers for cluster, machin. Cluster not found, requeuing. Je ne peux que confirmer la promesse d'Azram, parce qu'il m'a fait la démo en direct. Hein. Il est venu me faire la démo, je l'ai vu. Et il a pris la peine de le faire sous Fedora en plus. Hein. Ouais, alors attends, je crois qu'ils ont dit ça peut arriver si votre adresse IP change. Rancher D, reset admin. Ouais, c'est bizarre cette affaire. Retrying of une. Oh là! D'accord que Firewall D n'est pas installé. Hein. Voilà. Alors, IP table, save. Voilà, donc a priori, Kubernetes se gère lui-même via IP table, ok. Dans le pire des cas, est-ce qu'un K3S sans Rancher est envisageable pour ce soir? Alors pour ce soir, je ne sais pas. Ça voudrait dire déjà que je dois retracher les VM et les repop. Et le K3S sans Rancher, je sais pas combien de temps ça va prendre. En théorie, voilà, en théorie. Alors, voyons voir ça. Ça configure d'autres options comme le grub, le swap, etc. Ok. Ça peut être une idée pour la semaine prochaine. Et a priori, je le prendrai peut-être plutôt en Debian dans ce cas-là. Faut que je repop un main nodes, mais en Debian.
Je vais mettre ça de côté. Merci beaucoup, The Bidouilleur. Je vais même le mettre sur les liens du live. Hop là. Hop, alors. En attendant, lightweight couleur. Ouais. Je vais peut-être essayer quand même de. On pourra toujours effectivement jeter un oeil à ça, The Bidouilleur. Merci du tuyau. Hop. Et donc toi, t'as fait un terraform. Hop. Alors attends, je vais. Hop, je vais l'afficher. Hop, je vais l'afficher par là. Hop. Effectivement, c'est pour du Proxmox. Module Cube Master. Ok. Oh, ok, 3 CPU, 3 GB de RAM, ça va. Ah d'accord, et ensuite t'arrives à... Ah oui, tu lances des provisionneurs local exec pour gérer toute la partie anti-vol. Ok. Ok. Et ensuite, à ce niveau-là, provider Proxmox, oui bon ça c'est normal. Effectivement. Et ensuite, ouais, la machine Proxmox. Ou pas d'ailleurs. Provider pass. Ah oui, URL user password. Ok. Et là, le réseau interne, là, le disque. Ok. Oh bah ça va, t'as l'air d'être amusé, The Bidouilleur. Hein. Parce que surtout si derrière il y a toute la partie Ansible. Hop, module web Proxmox QMU, ok. Mais ouais, je pense que. Le cluster en utilisant K3S via Ansible, ça peut être une idée. Mais en passant avec de la Debian, je pense, parce que vu que Fedora n'est pas supporté là-dessus. Après, ils disent CentOS, mais ils disent pas forcément la version. C'est un peu dommage ça. Comment ça se fait que ça tournait pas? Qu'est-ce que j'ai fait de la page de... Hop, il est là. Alors il nous dit quoi là? Waiting for cluster agent to connect, ouais. Les mystères de cube, nous dit Mafilus. Oui, il y a des fois j'ai l'impression que c'est énormément... C'est plein de trucs, il y a des fois
comprendre d'où vient l'erreur, c'est un véritable casse-tête. Bah, pour le coup, moi je suis même pas en multimaster ici, hein. Moi qui me disais qu'une fois passé le cap avec 4.3S, on pourrait toujours essayer de faire un Kubernetes de hardware. Je pense que je vais attendre un moment avant de m'y remettre. Je vous avoue que c'est un peu en train de me comment dire, de saper un peu mon moral sur Kubernetes. Ça m'embête un peu de lâcher l'affaire. Et The Bidouilleur qui dit que c'est pas pour rien que l'examen officiel de K-Vitesse est à 30% du débogage. Non, mais à un moment, si le logiciel. Enfin bon, je sais que c'est un peu facile de taper sur le logiciel, hein, mais si leur truc, il est. Il y a plein de trucs dans tous les sens. Et Azram qui dit sinon pour la prochaine fois on pop un cluster K-Vitesse hors live et pendant le live je fais que la partie K-Vitesse. Oui, c'est une idée, mais si je le pop hors live, je sens que je vais avoir quand même. Je vais trouver le moyen de pas réussir à le pop hors live et de me retrouver en début de live sans rien en fait. Mais là, honnêtement, je vois pas qu'est-ce qui. Là, je vois pas. Honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas et du coup je. Ouais, j'avoue, ça me. C'est pas ça, c'est correctement mis, donc je. Si ça se trouve, c'est peut-être qu'il y a des instabilités sous Fedora, hein, pour une raison X ou Y, et que en fait, faudrait que je repop les trucs en Debian, hein. En Debian ou en Ubuntu. Hein. T'as pas la main. Ouais, alors comment est-ce qu'on pourrait s'arranger Nico Leblond, bon on a compris, Nico Leblond est un fanboy Debian, ok. J'ai plus d'eau. En fait, solution cloud pour une reproductibilité à fond, dans l'absolu. Alors j'essaye de faire en sorte de pas avoir besoin d'aller faire ça dans un cloud public, en gros. La raison principale étant que je veux pas être, même si je sais que lorsque j'ai fait mon démarrage avec Terraform, je l'ai fait sur Google Cloud Platform. Le but, c'était de toute façon à terme de pouvoir le faire, de pouvoir me faire du Terraform sans avoir besoin de Google ou de AWS ou de Azure ou de Infomaniac. Donc sur le principe, aller ouvrir un compte chez un énième fournisseur de cloud. Tu vois le principe de Bidouilleur, c'est que j'ai des ressources. En gros, là, la machine qui sert à faire mon home lab, c'est une machine avec voilà, 24 threads, donc 12, enfin 12 cœurs, 24 threads. J'ai 48 Go de RAM, il y a un SSD d'un Tera. Enfin voilà, c'est un peu dommage que j'en profite pas, en fait.
Je dois avouer que il y a certains sujets comme ça sur lesquels j'aimerais avancer, sur lesquels j'aimerais faire d'autres lives sur d'autres sujets. Pour le moment, j'ai eu d'autres idées que j'ai voulu commencer à dépatouiller et sur lesquelles j'ai manqué de réussite. Et ça s'ajoute un peu à la frustration de ce soir. Bon, à un moment, je pense qu'il faut savoir dire stop. Je pense pas que je vais pouvoir avancer. Je peux pouvoir avancer guère plus sur ce sujet-là ce soir. Non, parce que lui, de toute façon. Tiens, le node, lui, là, tiens, le node 2, oui, il avait réussi à télécharger le truc. Ouais, j'avoue, j'ai un peu du mal à m'en. Enfin, je me dis qu'il faudrait peut-être que je fasse autre chose. Bon, après, on est à globalement 10 minutes de la fin du stream. Hein. Azram qui est confiant. C'est gentil, Azram. Merci beaucoup, Azram. C'est gentil, t'as au moins confiance pour deux. Bon, on va en rester là pour ce soir, hein. Ça sert à rien de se prendre la tête sur ça. Ce que je vais faire néanmoins, c'est revenir ici. Ouais, revenir ici. Et le petit truc entre guillemets obligatoire lorsque je fais du code en direct, eh ben c'est de pouvoir committer avant la fin du live. Donc on va committer tout ça. Git commit moins m ça bug. Alors non, Mafilus, pour le coup, le principe de many nodes, c'est de juste de pouvoir popper des machines. Et ça pour le coup, ça fonctionne. Éventuellement, sur le sujet de many nodes, ce qui est peut-être un peu dommage, c'est que le truc force la création d'un deuxième disque. Donc en gros, si on n'a pas besoin du deuxième disque, il est quand même créé. Alors par défaut, il fait 8 mégas, ce qui est normalement pas gênant d'un point de vue place. Mais j'aurais aimé, et je vous avoue, j'avais regardé un petit peu hors stream, j'aurais aimé pouvoir faire plus ou moins une sorte de if pour pouvoir dire, bah si on fait un genre hein, second disque égale yes, et ben il pop les deuxièmes disques. Hop. Un truc que j'ai oublié, du coup, c'est d'aller rajouter au niveau du README et de dire donc je commit hop hop là. J'avais mis quoi? README, improve, documentation. Ouais. Voilà. Hop, bah dis donc, ce soir, c'est pas facile, hein. Je fais pas mal de fautes de clavier, hein. Pas mal de fautes de frappe.
Voilà. Donc, ces commits, ces push. Donc, vous pouvez, si jamais vous voulez jouer avec many nodes, pas forcément pour faire du Kubernetes, hein, vous pouvez jouer avec. Maphilus qui dit c'est la chaleur. Je me demande si le dernier firmware de mon clavier ne poserait pas quelques petits soucis. J'ai quelques blagues avec depuis. Par exemple, par défaut, il s'allume plus. Alors que il peut s'allumer comment dire quand j'utilise l'application du clavier, mais là il s'allume pas. Très bien. Alors, hop, on va revenir comme ça. Ouh, tiens, ça c'est chelou. Il m'a wipé le chat. Alors, The Bidouilleur, c'est pas un clavier custom, c'est un clavier mécanique, c'est un Han Pro 2, si jamais ça t'intéresse. Je sais plus si j'ai indiqué tout mon setup hardware dans mon profil Twitch. Mais non, j'ai pas encore eu le courage ni la patience de vouloir me construire un clavier mécanique en DIY. Un jour, peut-être. Mais dans l'immédiat, à part ces derniers bugs, là, le Han Pro 2, parfait. Rien à redire. Bien, alors. Est-ce qu'un jour je vais réussir à monter ce cluster Kubernetes? Je sais pas. Est-ce que je vais continuer sur ce sujet dimanche prochain? Je sais pas non plus. Je pense que je vais avoir besoin de penser à autre chose un petit peu. J'étais d'ailleurs en train de me dire cette semaine qu'il faudra qu'à un moment, de toute façon, on fasse une pause dans la saga des conteneurs. Pour une raison très simple, c'est que ben, sur la fin août, début septembre, je serai en vacances et je voudrais essayer de streamer depuis les vacances. Donc ce qui pourrait être amusant, c'est que j'essaye de préparer un setup de stream mobile. Donc ça pourrait être amusant de faire ça à l'occasion. Je dis pas que je vais forcément le faire en live la semaine prochaine, mais ça pourrait être une idée. Toujours est-il que en dehors des streams de 18h à 20h des dimanches, je stream aussi le jeudi de 20h à 22h, où justement en ce moment, c'est pas sur les conteneurs, c'est sur justement un labo réseau et système qui se veut être une sorte de maquette miniature d'Internet. Avec donc du routage dynamique, de la simulation d'opérateurs et de la simulation de services de type site web. Et justement, on commence à y arriver. Et l'idée, c'était en refaisant ce que j'appelle ce home lab ou cette maquette réseau, c'est de le faire en utilisant des outils d'infrastructure. On recommence en faisant des outils. Enfin, oula, disons que ce soir, c'est pas facile. En utilisant des outils de gestion de configuration et d'infrastructure as code, principalement du Terraform, du CloudInit et du Ansible. Donc, vous pouvez, si jamais les sujets vous intéressent, vous pouvez me rejoindre en stream les jeudis de 18h à 20h. Entre les streams, bah, vous pouvez retrouver les VOD pendant 2 semaines sur Twitch. Il y aura aussi de temps en temps des VOD qui iront sur ma chaîne YouTube. Je sais que je suis encore très en retard sur le sujet, mais ça va arriver, j'espère. Et sinon, entre les streams, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Discord. Tous les liens sont bien entendu là-dessous. Je peux même vous faire un petit point d'exclamation socials pour accéder à tous les liens. En gros, voilà, sur ma page perso, vous avez tous les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux. Je pense à Twitter, à Mastodon, au serveur Discord dont j'ai déjà parlé, et la chaîne YouTube. J'espère que vous avez malgré tout apprécié ce live, même s'il n'a pas été couronné de réussite. Ça m'a fait très plaisir de vous savoir nombreux, et notamment merci. Merci The Bidouilleur pour ton encouragement. On va croiser les doigts. Et merci aussi Azram pour ta patience, pour ton abnégation, pour toutes tes contributions sur ces derniers lives, parce que sans toi, j'en serais pas là. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et aussi bah, un bon début de semaine, puisqu'on est dimanche soir.
Je vous donne rendez-vous jeudi pour le prochain live. Puis peut-être dimanche prochain si j'ai le courage pour refaire du conteneur. Bye bye, à bientôt.